Acabei de editar uma reportagem que eu fiz em Bordeaux, aqui no computador, e eu já vou mostrar para vocês. Eu fiquei impressionado por quê? Porque na entrevista ele explica o solo de onde está esse vinhedo, de onde estão plantados esses vinhedos, um solo super especial. Ele tem uma Carménère de mais de 60 anos, que vai por terra aquela história de que estava extinto em Bordeaux e que foi reencontrado no Chile. Não, nunca foi extinto em Bordeaux, isso a gente mostra aí na reportagem, você vai ver. Eu não vou contar a reportagem inteira, então você vai ver o solo especial, por que que esse solo está ali. E essa propriedade é de um antigo dono do Château Cheval Blanc. Então, ele não ia comprar qualquer coisa, eu tenho certeza disso. Eu provei o vinho é excepcional. Você vai ver na reportagem que eles têm um projeto de melhorar o corte desse vinho, vocês vão saber como. E não adianta eu ficar falando muito, não tem esse negócio de spoiler. Assiste, você não vai se arrepender. Já escutei por aí que a Carménère estava extinta em Bordeaux e ressurgiu no Chile. Não é verdade. Estamos diante de uma parcela de Carménère com mais de 60 anos. E lorsqu'ils les ont trouvés, le pépiniériste, donc ce oui. Le fournisseur de pieds de vigne, lorsqu'il a identifié que c'était des Carménère, il les a trouvés tellement qualitatifs qu'il en a pris certains pour les greffer. Oui. Pour recréer une souche sur des Carménères très anciens d'ici. Voilà. Et quel âge cette vigne? 60 ans. 60-65 ans. Certains pieds peut-être plus, mais on va dire qu'en voilà, en moyenne, on est sur 60-65 ans. Le vieil vin de Carménère. Et celui-là, par exemple, on serait pas surpris qu'il soit plus vieux, là, celui qui est juste là. Oui. Très, très, très vieux, ouais. Estou no Château Trianon, em Saint-Emilion. Nicolas Chan, que é um profundo conhecedor da região, fala sobre a variedade. Le Carménère est un cépage autochtone du Bordelais. Mais qu'il y avait autochtone. Encore ici. Il y avait encore, ça n'a pas disparu. Mais il y en avait très très peu. Il y en a eu beaucoup avant, mais ça faisait longtemps. En plus, avec le phylloxéra, la maladie qui a tué la vigne, le Carménère a très peu été replanté. Trop dur à cultiver, car la maturité est trop tardive. Oui. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, eh ben, oui, ça nous permet d'attendre, et c'est un cépage qui est formidable pour un assemblage. Ça apporte beaucoup de couleurs, ça apporte beaucoup d'épices dans les arômes, c'est très appréciable. Lorsque c'est en monocépage, c'est un très bon vin, mais très simple. Voilà, très régulier, ça n'a pas beaucoup de caractère. Par contre, en assemblage, ça ressort beaucoup. Logo, você vai saber que a propriedade está em um terroir super especial. Antes, Nicolas vai explicar como o blend dos vinhos deve mudar daqui para frente. On est en train de augmenter doucement le pourcentage de Cabernet Franc sur le vignoble. Le Cabernet Franc s'adapte très bien ici. Dominique Hébrard, qui est le propriétaire, est l'ancien copropriétaire de Château Cheval Blanc, qui est majoritairement planté en Cabernet Franc. Il aime particulièrement ce cépage, qui est très 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 bien sur ce terroir. Donc voilà, doucement, mais sûrement, on augmente la part de Cabernet Franc. C'était à peu près à 5% lorsqu'il est arrivé. On est aujourd'hui à 14-15%. Voilà, ça augmente tout doucement et pour arriver à 25%, sans doute, 25-30%. Antigo proprietário do Cheval Blanc. Já deu para sentir que estamos em um lugar especial. O blend é uma arte e saber o que cada variedade aporta... Un peu plus de finesse. Un peu plus d'élégance, de structure très fine, voilà, le Cabernet Franc. C'est ça que le Cabernet Franc apporte. Ah oui, vraiment, oui. Le Merlot apporte toute la générosité, le côté fruité, gourmand. Le Cabernet Sauvignon apporte la structure. Le Carménère apporte
couleur et épice. Et le Cabernet Franc, c'est vraiment ça. C'est l'élégance, la finesse, la précision. C'est la signature des très grands vins. Um terroir tão especial não pode ser atacado com produtos químicos. Então, pouco a pouco, teremos uma verdadeira evolução biológica por aqui. Nous ne sommes pas en viticulture biologique ici, parce que nous estimons qu'il faut que ce soit une évolution lente pour qu'elle soit performante. Aujourd'hui, voilà, on va vers le bio, mais on y va doucement. On était en culture raisonnée, nous sommes HVE3, certifié HVE3, nous sommes ISO 14001. Voilà, nous évoluons doucement et nous n'évoluons pas seuls, nous évoluons avec nos voisins pour que ce soit constructif et que ce soit solide comme évolution. Car si on est... Ça, c'est l'avenir ? Revenir à la Terre, c'est toujours l'avenir. C'était là avant nous. On a cultivé de façon très agressive à un moment. On s'est aperçu que c'était pas durable. On en revient à la Terre. Bien sûr que c'est l'avenir. C'est sûrement l'avenir. Forcément, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Par contre, ce qui est sûr aussi, c'est qu'on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. On ne peut pas changer du jour au lendemain un vignoble qui a reçu des traitements pendant des décennies. On ne peut pas lui demander du jour au lendemain de revenir comme il était il y a quelques siècles. On ne peut pas. Donc il faut qu'on l'accompagne doucement, qu'on travaille intelligemment et surtout précisément. Calmement, voilà. Ça sert à rien d'être excessif. A enóloga Alizé Ué garante que o uso de químicos vem sendo deixado de lado. Savoir de pas mettre bêtement des produits chimiques dans les vignes s'il n'y en a pas besoin. Donc si la vigne se porte bien et qu'il n'y a pas de risque de maladie, on va pas mettre, on va pas passer exprès avec les traitements pour le faire. S'utilise le minimum possible pour... Le minimum ou des choses, des produits naturels. Donc on va avoir une partie de l'année où la vigne craint moins la maladie. Donc on va traiter avec des produits bio ou biosynthèse, donc des produits issus de molécules naturelles. Et une partie de l'année où la vigne pousse vite et donc elle est plus sensible aux maladies, où là on va réfléchir les traitements différemment et protéger le vignoble pour avoir des raisins au moment des vendanges. A história do château é bem antiga. Ela está sendo reescrita com cuidado. Da mesma forma que a réforme segue em frente. En fait, c'est un projet en trois étapes. La première étape, c'est de restaurer cette partie du château, la partie donc essentielle d'origine, pour en faire donc cinq chambres et un jardin devant le château qui ira jusqu'à la route. Avant, les chais étaient dans le château. Les ailes, là, elles ont été démontées parce que la pierre était de mauvaise qualité, donc c'était pas prudent de reconstruire dessus. Mais par contre, là, le centre, c'est vraiment le centre d'origine. Ah, oui. Et on a des traces qui prouvent que le château existe depuis le XVIIe siècle. On a retrouvé un document de notaire de 1680 qui enregistre l'arrachage de vignes qui sont trop vieilles pour en planter des nouvelles, en 1680. Ouais. Ça veut donc dire qu'il y avait en 1680 des vieilles vignes. Un domaine qui s'appelle Trianon, et c'est directement lié au Trianon de Versailles, du château de Versailles, qui était le petit château privé du roi, de Louis XIV. Ici, à la fin du XVIIe siècle, c'était un conseiller du roi Louis XIV qui possédait ce domaine. Et il l'a renommé, il a changé le nom pour l'appeler Trianon, pour rendre hommage à son roi. Chambre d'hôtel, plus restaurant au rez-de-chaussée, plus salle de dégustation ici. Dans une deuxième étape, de l'autre côté de la route, il va y avoir un chai entièrement moderne qui va être construit. Na vinícola, eu tento detectar o savoir-faire e consigo descobrir algumas coisas. Donc, différents, on a les cubes béton qui sont top pour les années très chaudes. Parce que c'est pour les très chaudes, ça c'est top parce que ça garde la fraîcheur. En fait, c'est tronconique, mais elles sont inversées. On recherche sur une partie d'une parcelle ou une parcelle à extraire un maximum des caractéristiques parce que on fonctionne par délestage. Oui. Et il y a donc une concentration du marc au moment où c'est vidé, et lorsque l'on rebascule violemment, eh bien, par gravité, ça pousse et ça passe ensuite très doucement
Donc ça s'enrichit encore plus. Avec toutes ces traditions bordelaises, il y a d'espace pour faire différent Tout le monde est différent. Ils ont tous leur technique, leur idée, leur objectif. Dominique Hébrard et son équipe, ils veulent faire un vin qui soit un très grand vin, mais qui soit un vin de plaisir, qui soit un vin gourmand. Dominique Hébrard ne cherche jamais la surmaturité, il cherche la maturité, pour reprendre son expression, c'est al dente, c'est juste au moment où c'est prêt, ni trop peu, ni pas assez, voilà, c'est ce qu'il cherche, pour que les vins soient ni trop expressifs, ni trop sévères. C'est son objectif, c'est les vins qu'il aime et c'est ce qu'il recherche. Tout le monde est différent, heureusement. Il y a trois consignes, c'est qualité, qualité, qualité. Voilà. Grâce à ça, on va avoir le résultat et je suis très confiant. O que também é essencial é não tirar o olho ou a boca dos vizinhos. Sempre com uma dose maior de admiração e muito menor de concorrência. Je regarde ici, il y a un jaloux. Vous goûtez les autres pour voir qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, parce que les copains travaillent super bien. Il faut. Tous les voisins travaillent bien, oui. Comme le disait Timothée, tous les voisins travaillent bien. Les vins des voisins sont excellents aussi, hein. Ils sont différents, mais ils sont excellents. Donc tant mieux. C'est l'avantage d'avoir des bons voisins. Mais bien sûr. Il n'y a pas de mauvaise concurrence. Oui, oui. Il n'y a que comme ça qu'on avance. À Saint-Émilion, il y a un classement de l'appellation. Oui. Le but du classement, le seul et unique but, c'est de mettre en avant l'appellation Saint-Émilion. Pas les domaines, c'est l'appellation qu'on cherche à mettre en avant. Donc en fait, tout le monde travaille pour la qualité de son vin, pour que l'appellation soit de plus en plus connue. As barricas também escondem segredos que também ajudam no corte final. On a un bois, le bois français, mais ensuite, on a plusieurs tonneliers différents, jusqu'à 9 tonneliers différents. Tous les cépages sont élevés sur chaque tonnelier. Donc en fait, on a 4 cépages fois, par exemple, 9 tonneliers. Voilà. Mais vous avez déjà compris que chaque cépage va bien avec... Par exemple, mais on va quand même chercher à savoir si... À savoir. À découvrir. Oui. Chaque année, on apprend, parce que chaque année... On s'aperçoit que tel type de chauffe, tel type de bois en provenance... C'est mieux pour chaque cépage. Ça va aller mieux avec telle parcelle. Ça qui est formidable ensuite. Plus ça va, bien. Plus on connaît notre terroir, notre vigne, la façon de la vinifier et ensuite la façon de l'élever. Voilà. Plus ça va, plus on affine chaque année. Le travail d'assemblage est très 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 précis. Il se fait pas en une seule fois, il se fait tout au long de l'élevage. On remet en question à chaque fois, on refait l'assemblage, on le réinvente entièrement. Il faut avoir l'empreinte du millésime, c'est ça qui est formidable. Le millésime nous permet de ressortir les caractéristiques du terroir chaque année de façon différente. Na degustação, a primeira coisa que percebo é que estou diante de um grande vinho e que essa história está apenas começando. Timothée Hébrard me fala sobre o vinho que só foi colocado no mercado 8 anos após a colheita. Bordeaux est un grand spécialiste des vins de garde. Et rien de mieux que de proposer que des vins prêts à boire de suite. Et donc on a attendu exprès donc 8 ans avant de commercialiser les vins et de donner aux consommateurs l'expérience complète des vins de Saint-Émilion. Chaque année on goûte, ça c'est la partie la plus sympa de notre métier, c'est qu'on voit l'évolution de nos vins année après année. Et donc il y a 3 ans, mon père c'est avec l'équipe, ils ont fait la réflexion. Bon, on y est, c'est bon, on peut ouvrir les vannes. Ah, ouais. Et on peut ouvrir les vannes et dire à tout le monde qu'on a du 11 de près de disponible. Et c'est ce que les consommateurs veulent. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus merveilleux que de savoir que... C'est un investissement.
C'est un investissement qui... Les éléments en 8 ans... C'est pas évident, parce que c'est la trésorerie, le stock ça coûte cher, etc. Oui, oui, oui. Mais de pouvoir le faire, bah, c'est une chance, et donc c'est top. Donc aujourd'hui, proposer des vins comme ça, qui ont 10 ans, et qui sont top, et qui arrivent absolument à maturité, bah, c'est génial. É hora de subir as escadas, olhar do alto e entender por que esse terroir é mais do que especial. On s'aperçoit que si on fait une ligne droite par ici, on a la Marzelle qui est grand cru classé, Figeac aussi premier grand cru, Cheval Blanc et Pétrus, oui. Sur la même veine géologique, la même veine. Pétrus, c'est pas la même appellation, c'est pas Morol, mais c'est la même veine géologique. Et si on fait une ligne droite par ici, on est sur une veine géologique qui comprend Angélus et qui comprend aussi après Pavie. Voilà, une très 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 bonne zone géologique. Et ces deux zones géologiques viennent se rejoindre ici, à Trianon. Alors, on n'a pas le meilleur de chacune des zones, mais on a un petit peu des deux. Et on est les seuls pratiquement à avoir ça. Avoir les caractéristiques un peu des deux zones géologiques. On a un terroir qui a un peu un mélange de ces caractéristiques de ces très 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 grands terroirs, et ça explique pourquoi historiquement ça a toujours été une zone qui était très privilégiée pour la culture en règle générale, mais la culture de la vigne en particulier, parce qu'on a donc une vigne qui dont on a des traces qui remontent au moins au XVIe siècle. Le terroir, c'est pas tout, bien sûr, mais le terroir, c'est déjà une très 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 grande partie du travail qui est faite. Quand on a un grand terroir, où la vigne s'exprime de façon très particulière et unique, voilà, on a Les vins sont vraiment différents. Les vins sont très différents. Il n'y a qu'à voir sur certaines appellations, certaines zones où le terroir, une appellation, ça peut être moins d'un hectare, par exemple. Parce que là, on a identifié une zone où le terroir est nettement différent de ce qui entoure. Le terroir, c'est la base. C'est la base. Ensuite, il faut comprendre son terroir. Il faut planter en fonction de son terroir. Il faut cultiver. Il faut apprendre à utiliser ce terroir pour avoir les meilleurs raisins à vinifier et tout ce qui s'ensuit. Mais le terroir, la vigne, c'est, j'aime pas dire ça, mais c'est, on va dire, 80% du travail, voilà. Super. Voilà. Santé. Santé.